comme est saisissante la banalité de ces morts dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Combien durent être terrifiants ces assauts, ces combats acharnés contre des armes aveugles, contre des ennemis déterminés. Nos morts verriérois, comme ceux qui en revinrent, connurent des circonstances analogues, et si leurs exploits n'ont pas été comptés, ce n'est pas parce qu'ils n'en étaient pas dignes, mais simplement, pour la plupart, parce qu'ils n'avaient pas acquis cette notoriété qui fait que certains épisodes permettent d'écrire l'histoire. Les commémorations de l'armistice du 11 novembre ne sont évidemment pas seulement destinées à nous rappeler les vertus de la paix retrouvée et les périls qu'il y a à ne pas se réconcilier pleinement avec ses ennemis d'hier. Ces commémorations sont, pour aujourd'hui et pour demain, l'occasion de nous rappeler que la recherche du bien commun partagé, celle de la justice, la fidélité et l'audace, sont toujours des voies offertes. Avec Honoré d'Estienne-d'Orve et Émile Drian, avec tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, puissent-ils reposer en paix et puissent leurs souvenirs demeurer une source d'inspiration vivace. Je vous remercie. René Alexandre, mort pour la France. Georges Ardillon, mort pour la France. Louis Arnois, mort pour la France. Charles Aubert, mort pour la France. Georges Haubertin, mort pour la France. Albert Vineux, mort pour la France. Georges Weistermann, mort pour la France.